va niquer la tro. Il a oublié la voisine à la toquette alors. Ah ouais, Belek. Eh les gars, vous croyez, elle nous a menacé. Elle a dit, ah, fais du bruit comme ça, j'appelle la police. Du coup, les gars, on se retrouve aujourd'hui, les Jackson au complet, s'il vous plaît. On est obligé d'applaudir. Ouais. Au complet. Alors du coup, si on se retrouve ici aujourd'hui, c'est pour faire un remix des Rois du Shopping. Concept de malade quand même. Concept de malade. Après, pas deviné, presque raté. Léonie, il enchaîne les concepts comme si on avait le même argent que lui. Arrivé, c'est qui fait épisode 2. Je vous jure ici, ils aiment trop faire les gabrous. Et puis, faut que ça va être. Tu fais des sessions mainstream là, casse-toi. Moi, je pense que ça va être plutôt le thème, ça va être la pauvreté. Bah oui, des vêtements moins chers et tout. Regarde, il va s'habiller chez Aldi. Moi, j'étais prix. Être stylé avec 10 euros. Comment on va s'organiser la vidéo? J'ai un thème qui est juste ici. J'espère que vous m'avez pas mis un truc de bâtard, les gars. J'espère que vous êtes bien concertés. J'espère que vous êtes concertés correctement. Ce qui va se passer du coup, c'est que moi, je vais devoir sortir après avoir lu le thème pour acheter. Non, t'inquiète, je triche pas. Je vais devoir sortir pour acheter les vêtements qui sont en rapport avec le thème. Et eux, du coup, ils vont suivre mes aventures à travers la tablette. Ok. Loni. Virgule. 2022, il est temps de nous faire manger Gucci. Au sens propre. On n'a pas mis entre parenthèses, mais c'est au sens propre. Hein? On n'a pas mis. Enfin, les mettre, du coup, c'était pour la. Non, je vais manger Gucci parce qu'en fait, en mode 2021, c'était notre année et tout. Non, c'est pas genre une meuf qui fait des gâteaux et qui fait un gâteau Gucci. C'est, ouais, c'est genre, si tu vas manger Gucci, Gucci mais. Ouais, je, la tête, je vais acheter un porte-clés. C'est bon. T'inquiète, lui. Même le porte-clés est cher. On a tout prévu. Habille-toi comme si t'étais un rappeur invité aux Grammy Awards. Inspiration Tyler the Creator. Mais vous êtes vraiment enculés. Dis-le, Tyler the Creator, comment il bien coloré, bien couleur. Ok, ça ressemble à rien. Ouais. Ce que je retiens, c'est que vous êtes vraiment des bâtards de ouf. Parce que là, vous allez me faire acheter Gucci. Moi, la question, c'est est-ce que Lonnie Miller a les moyens? Combien tu gagnes? La question qui fâche, Lonnie. Pose-moi la question qui fâche. Combien tu gagnes? Combien je gagne? Mais le Seigneur revient bientôt. Du coup, inspiration, Tyler the Creator. Je sais comment il s'habille Tyler the Creator et ça me plaît pas du tout. Ça va partir dans tous les sens, les couleurs. Bah après, Gucci. Du coup, tu vas mettre full Gucci. Non, ouais, c'est mort. Tu sais que ça coûte combien? Allez, t'as l'étal maintenant. J'ai pas l'étal, gros. J'ai pas l'étal, ouais. Bah, du coup, je vais partir faire mes achats. J'ai 3 heures devant moi. Je pensais que je vais réussir le. Si t'es prêt à mettre les moyens. C'est juste ça, c'est juste ça. Non, mais frère, attends, je peux mettre juste une pièce en mode. Elle bon, Gucci, c'est une pièce de Gucci. Enfin, faut que ce soit la pièce maîtresse, la pièce principale de ta tenue. Parce que si c'est un petit accessoire. C'est pas manger Gucci, c'est genre. Gucci, tu vois, c'est un casque. Les gars, ils veulent brûler. Ah ouais, toi, c'est un goûter Gucci, tu vois, c'est pas. J'ai mangé Gucci, c'est un. Moi, j'avais un goûter Gucci. Vraiment, je te vois, je dis, ah ouais, c'est Gucci. Donc, vas-y, les gars, ouais, applaudissez-moi, ouais, je vous ai tout, quoi. Vas-y. Ces gros bâtards, ils m'ont mis un thème de fou malade. Gucci, tout ça, moi à la base. C'est pas comme ça qu'on met son masque. Hein. C'est vraiment des chiens. Déjà, ça fait un. Deuxièmement, ouais, moi je sais pas comment m'habiller pour une soirée chic, mais en même temps streetwear, tout ça. Genre, habille-toi comme un rappeur qui habite à, qui est invité à une soirée. Mais c'est Gucci, s'il vous plaît, envoyez un petit. Déjà, c'est un rappeur déjà. Déjà, c'est un rappeur, un petit peu de l'argent. La dernière fois, j'ai vu son compte en banque. À printemps, je crois, il y a un Gucci pour avoir du coup une petite pièce ou deux, je sais pas. Les Jackson pensent me piéger en prenant Tyler the Creator dû au fait qu'il a un style hyper excentrique. Quelle erreur stratégique! J'ai comme l'impression qu'ils ont oublié qu'il y a de cela quelques années, j'avais fait une vidéo sur lui. Non seulement je connais la discographie et la biographie de Tyler Parker, mais en plus il fait partie de ma liste d'artistes et d'inspirations favorites. Tyler, c'est simple, c'est coloré, c'est osé, tout en mélangeant chic et sportwear. Dans mes souvenirs, en plus, Tyler il est en collab avec Gucci, à croire que tout était pensé pour me faciliter. Bon, à part mon porte-monnaie qui va bien souffrir et qui va bien rétrécir à la fin de cette vidéo. Bref, je pense m'inspirer de son style sans totalement dénaturer mon propre style pour que les gars puissent trouver. Vous-même, vous savez à quel point ils sont exigeants. À tout moment, ils diront que mon flow est dégueulasse, ce qui est totalement possible en vérité, parce que je pars de nulle part, donc ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Restons focus en espérant que mon outfit vaille le coup d'être bien noté. Bah, du coup, là, je vais rentrer dans le printemps. Les gars, souhaitez-moi bonne chance. J'espère trouver des bonnes pièces, des pièces intéressantes. Les gars, je vais pas me faire chier. Moi, je veux cette pièce. Là, tu vois comment il est habillé. Absolument incroyable. Là, j'ai une grave copie. Ça. Avec le pull. Et là, ça a l'air cher. Ouais, ça a l'air super cher. Direct, il rentre, il prend plus cher. Ce luxe, purée. C'est les Niska, ils viennent ici, c'est pas l'ONI, wesh. Bon, bah, on va demander si. C'est pas ce qu'il y a. C'est trop semblant, en fait. J'ai le vu en bas, ce pull bleu, un pull bleu marine avec les. Avec le web, rouge. Là, il demande monsieur des mâles qui est le plus cher, et je prends. Ouais, c'est un rouge. Mais c'est un pull basique, ça.
Bon les gars, désolé, on n'a pas pu filmer à l'intérieur. Mais là j'ai les pièces, j'ai ce qu'il me faut. On va passer à la suite. En fait, j'espère qu'il a pas pris le truc qu'on a dit parce que s'il a pris ça. Oh non, j'ai cru que tu trouves le même HM. C'est un tricot ça. Vous êtes vraiment des chiens, mais à l'aise. C'est une belle métaphore à la vie. De pas se noyer dans ses problèmes, du coup il met des bouées. Genre des bouées en fait. C'est peut-être une allusion. Non rien. Là on va chercher la chemise en priorité. J'espère qu'il va HM, hein, parce qu'il veut gaspiller là. Bon, comme on n'est pas des. J'allais citer des blasons à sa mère. Est-ce que vous faire le truc le plus cher? Encore une fois, c'est grave. Parfait, c'est la. Mais il est où là? Quelle boutique? Ralph Lauren, je crois. Ralph Lauren. Matière, ouais. D'accord, bah ça va être par là-bas. Par là-bas? Ok. Là, le vendeur, il est bien content. Ah, je vais faire une vente. Ça, je vais prendre ça en bleu clair. Ça va être trop beau. Bon, là, les gars, il me faut des chaussures bien tonton, bien daron, pour être dans le thème. On est carrément dans le thème là. Déjà, il a une coque de daron déjà, c'est bien. Je suis pas habitué aux chaussures comme ça, au nom. Je marchais comme ça. C'est quelle chaussure ça? J'étais genre, mais au même, portais ça. Au nom. Une paire marron. En vrai, on va partir sur du beige, du bleu. Ça, ça sera un vrai sapolet. C'est pour ça qu'on dit ça comme ça, ouais, c'est, t'as l'impression que ça va être dégueulasse. Mais... Moi, je pensais qu'il serait parti sur une paire de sneakers, mais genre haut de gamme, genre. Moi aussi. Mais c'est quoi ça? On dirait qu'il va en stage. Au nom. Je pense que c'est une troll. Je pense que c'est une troll, la tenue, ça va être autre chose. J'ai pris des vraies chaussures de daron de ton père. Et j'ai pris la chemise. En vrai, cligne et vite des yeux, on dirait d'Ausi comme ça. Casser un peu avec le bleu. Avec les trous dans la barbe. Du pull. Tout est parfait, tout est carré, tout est. Non, t'as mitraillé, non. Les gars, franchement, notez bien, s'il vous plaît. La gueule. Da souci. D'accord. Notre Danette, non. Ou en beige. Comment mettre autant d'argent dans une chemise Ralph Lauren quand tu as une chemise exactement pareille? Da client, oui. On appelle ça les Yanclar. Les bottines, elles sont fraîches, hein. Elles sont jolies, tout ça. Mais c'est un pantalon, c'est vraiment un pantalon comme ça. En fait, je suis parti en couille. Je suis en train de faire mon propre shopping là. Ça n'a plus rien à voir avec. Mais en fait, je pense que ça va mieux passer en beige. Bon, on commence. On a dit rappeur ici, les rappeurs, on peut se mettre un test d'événement. Tyler The Creator. Là, c'est vrai, c'est une boîte. On a mis ça donc. Là, c'est un Tyler. Mais du coup, il y a un peu tes classes. Si on n'avait rien mis. Ouais, c'est vrai. Ok, je vois. Il va faire un look qui ressemble à celui que Tyler il avait lors de la dernière Fashion Week. Tu sais, sur son vélo là, où il est passé pendant le défilé. Mais en fait, c'est bien, ça va bien à Tyler, mais lui, c'est pas Tyler, c'est Lonnie, genre. En fait, il faut qu'il y ait une certaine aura, que tout soit bien assemblé. Parce que Tyler, c'est créateur, ok, mais là, on a. Là, c'est Lonnie the. Le créateur de contenu. C'est Lonnie the. Ouais. Lonnie the YouTuber, non? Ouais. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, Gucci. Mais ça paye, battez là. Vas-y, danse. Tourne-toi, monte tes fesses, vas-y. Allez. Voilà, c'est ça qui fallait, ouais. Vas-y. Par contre, les sacs Gucci sont remplis, hein. Ouais. Mais en fait, c'est parce que j'ai mis d'autres trucs. J'ai mis pour nous. Non. Ah. Vous êtes des bâtards. Vous m'avez fait acheter Gucci. Mais j'espère que j'ai tout gardé pour moi. Attends, mais c'est ça. J'espère que tu nous prends pas. J'espère que t'as vraiment acheté Gucci. T'as pas acheté des sacs Gucci. Non, ça, ouais, c'est ça. À la base, je voulais vraiment vous niquer. Mais après, je me dis, vas-y, Belek, je vais perdre des points. Je voulais acheter qu'une pièce. Au final, en fait, j'ai vraiment vu une pièce jolie. J'en ai acheté. Bah du coup, là, les gars, je vais m'habiller. Et ouais, jugez-moi bien aussi. T'inquiète. Déjà, je trouve qu'au début, il a un peu fait semblant. Mis dans la merde, je sais pas quoi, alors qu'on sait très bien, ni youtubeur préféré, ton youtubeur préféré, il y a une petite black card dans la poche, d'accord, non. Arrête de faire semblant. Après, moi, je pense que c'est vrai qu'on l'a mis sur le thème Tyler, mais j'espère qu'il va quand même savoir s'approprier le thème et pas faire un look copier-coller. Moi, je compte surtout aussi évaluer la prise de risque et la créativité. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il a acheté. Bon, il a fait Gucci, Ralph Lauren, hein, pour lui, c'est comme s'il achetait du pain à la boulangerie. Petite baguette, un petit croissant. J'espère pour lui ça va être bien. Et c'est tout frère, je serai impartial. Genre la vidéo elle me fait un peu peur parce que toi il a pris des pièces très colorées. Là la doudoune elle avait l'air très costaud pour rien. Il a pris une chemise bizarre. Moi ça me fait un peu peur. On va voir ce qu'il en est. Après bon Lonnie c'est un minimum s'habiller mais je sais pas ce que ça va donner globalement tu vois. Bon après Tyler The Creator c'est vrai qu'il faut oser mais faut oser en restant sensé. Le premier truc qu'il montre j'ai pas trop aimé déjà donc s'il a pris ça déjà c'est perdu d'avance. Hein. Il va sur une doudoune on dirait une jaquette. Sauvetage d'avion, je sais pas, j'ai pas trop truc. En fait, j'ai hâte de voir ce qu'il nous prépare. Tyler The Creator, d'accord, je comprends le concept, mais je sais pas. Lonnie, il y a des surprises. Ça veut dire, j'attends de voir quand il va arriver et je donnerai ma note. Chante bien cocooning, bien youtubeuse. Donc là, je vais vous montrer pièce par pièce bien tout ce que j'ai acheté. Et vous aurez le prix avec. Eh, franchement, les gars, mettez un pouce bleu, envoyez la force, comme ça rembourse tout, s'il vous plaît. Petit tricot bleu, voilà, basique. En fait, moi, j'aime pas tout ce qui est excentrique. Je déteste ça. Là, tu vois, tu peux voir l'ADN Gucci, ici. Ah, l'ADN Gucci est là. On comprend que c'est Gucci, mais j'en fais pas des caisses dans la rue. La petite chemise. Waouh, la qualité. Dolce qualitate, t'as ça, toi. Est-ce que je montre la paire de godasses? On n'a pas montré encore. Regardez là. Bien papa. Wemba. Bien Kofi.
bien Mobutu. La pièce maîtresse. Je suis pas habitué au luxe, hein, donc beaucoup de trucs. Voilà. On a quelque chose de neutre. Le verre, ça rappelle Gucci. Regardez, le verre est là. Là, 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 en bas, là. Et je vais vous montrer le pantalon. Pantalon bien droit, bien amiral, bien marine, bien granit marin, indestructible. Essaye de brûler. Voilà, je pense que ça va le faire. Là, on va voir Loni, la griffe, la sape. Les aérons, vous oubliez. On va jouer à un jeu. Au lieu que je vous donne directement le prix de chaque vêtement que je vais acheter et porter, vous allez devoir deviner le prix. Alors c'est très simple, en commentaire, vous allez devoir noter ce qui vous semble être le prix exact de tout l'outfit. Et la première personne qui devine va pouvoir s'octroyer le droit de faire une vidéo avec les Jackson et passer une journée avec eux. Enfin avec nous, t'as capté? Voilà, je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on peut vous offrir en ce moment pour vous remercier de tout votre soutien. Donc voilà, le juste prix est ouvert dans les commentaires. Let's go! Attends, tourne. Mais... Je veux voir les chaussures. Là. T'as l'heure, c'est créateur des couleurs et tout, tu vois. Genre, je joue avec les couleurs. Tu vois, le vert, pour le rappel. Voilà. En fait, je voulais pas quelque chose de trop excentrique. Honnêtement, moi, au premier abord, on va détailler un peu la tenue, mais au premier abord, je trouve que le jupe, il est incroyable. Ah, mon gars, wesh, je veux qu'il les voit ça. Est-ce que, s'il te plaît... Attends, c'est pas fini, est-ce que tu peux nous expliquer ton outfit? Oui, est-ce que tu peux expliquer ton outfit? Il a attendu tout sauf ses fesses. Je voulais vous expliquer qu'en fait, pour être un très grand fan de Tyler The Creator, j'ai plutôt réfléchi à la question. Je me suis inspiré de la Fashion Week dans laquelle il a été. Ouais, c'est ce que je disais. Ah bon, bah voilà. Bah en fait, il était habillé en Gucci et tout. J'imaginerais trop s'habiller comme ça. Des couleurs très différentes, mais en fait, quand tu regardes, quand tu t'arrêtes, tu comprends en fait qu'il y a des rappels de couleurs. Le rappel de Gucci. Donc vraiment, là, je voulais quelque chose dans le thème de Gucci et tout. Pantalon bien droit, bien régulaire, papa. Régulaire. Les chaussures, moi, c'est juste ça qui me chagrine. J'aimerais mieux une couleur vive pour les chaussures. Chacal, ça aurait niqué mon jeu. En vrai, il est dans le thème. Le pull avec la doublure, sans manche, le pantalon et la casquette. Après, pour la chemise. Maman, c'est une crampe, il a une crampe. Non, il s'est cogné sur la table. S'il avait mis une couleur encore pour accorder avec une couleur qui est déjà en haut, en fait, ça aurait fait trois pièces de la même couleur contre deux pièces d'autres couleurs. En fait, je trouve que ça matche bien. Regarde. Moi, je trouve que le verre, il sort de nulle part. La doudoune, il y a un rappel sur le pull, ça fait deux. La casquette et le pantalon, ça fait deux. Et les chaussures, je trouve que du coup, c'est une couleur camel, tu vois, marron, chocolat, qui rappelle un petit peu la couleur camel du pantalon. Moi, je trouve tout est bien équilibré. Au niveau de la colorimétrie, tout est bien géré. Moi je pense que ça coûte 2500. Mais t'as pas dit que t'allais bien. Mais t'inquiète pas, plutôt l'argent. Il a dit le prix direct. 2500. Moi si j'aurais donné un prix là pour la tenue, je dirais 2280. Moi je dirais 1700 euros. Impossible. Et toi Totoche? Moi je dis 1008. Combien? J'ai vraiment. Ouais. Près de... You know the drift, man, you know. There's a lot of tang in life, yeah. Pourquoi la tenue, elle est validée, j'aime bien. Ouais, tu es dans le thème. C'est respecté, tu vois, la doudoune, on pensait au début dans la vidéo que ça allait faire un peu un effet gonflé, gros. Ouais. Mais quand on regarde l'ensemble, on a pas l'impression que le haut se détache du bas, que t'as des jambes plus fines parce que le pantalon il est trop droit. Au niveau des proportions, la coupe elle va bien avec le reste et tout. Donc, franchement, moi je trouve qu'il y a tout qui match. En vrai, vu qu'on a le prix de la doudoune, je peux nous faire un détail un peu. Ouais. Ah, détail de chaque prix. Un détail du prix. Ça. Seigneur! Seigneur, j'ai mal à la tête! J'ai mal à la tête! Seigneur! Combien? How much? How many? Ich liebisch? Damien? Lobos, Ghost, Tommy? C'est les seules pièces de luxe que j'ai. Je m'en fous. Likez, commentez, partagez. Faut rentabiliser. Faut rentabiliser, wesh. Faut rentabiliser! Non, en vrai. Les gars, ceux qui veulent des pubs même pour les sponsors. Mais on m'a dit de jouer le jeu! Il me demande de mettre la Rodisac, je crois que je vais faire. Le Viagra, je fais aussi, hein. Vous voulez la suite n'est pas meilleure. Le pull? De quoi? Le pull? Le pull? J'ai dit la merde. De quoi? Le pull. Le truc bleu? Ma tête est chauffe.
J'ai mal à la tête. Ma tête est chaude. J'ai mal à la tête. Je vais tout casser, mais je vais tout casser. J'ai mal à la tête. Vous demandez à Clément, je me suis jamais senti aussi gêné d'avoir. J'avais l'impression qu'à tout moment, il y avait quelqu'un qui allait me sauter dessus, me prendre mes sables. Tout le monde me regardait. C'était une sensation trop chelou. On est passé à côté de deux types. Le mec, il a fait ah, OG. Lenny, attends, Lenny, va, il y a Laval, on arrive. Ouais, ouais, va, pas. On va parler de ta tenue en fait. En fait, on va te doter là. Vinted, tu revends ça fort. Moi, comment? On part à peine, t'as connu ça, Peuler Bing là-bas. Mais ça, c'est pas du faux, ça, c'est pas du faux. La tête de ma mère, 1000, combien? 1000, quoi? Il a les papiers de. Et ça, c'est combien la casquette? 50 euros la casquette. 50 euros, alors quand même pas de soleil. 50 euros. On est en hiver. C'est en hiver, c'est contour, en plein hiver. On revient à Doudou. On prend la BNB pour ta canard, on en fait des clips. Je suis chauffeur, on fait des clips pour ta canard. Là, on lui dit, c'est moi, je commençais à dire, oh non, j'ai des reventes. Et on dit, non, t'inquiète, je connais un cousin, il aime bien. Eh, hey, naturel. Ouais, ah, du coup, on a discuté. Et franchement, là où tu dis pas. Ouais, il est pas ouf. Je sais, en vrai, la doudoune, t'as dit, elle était pas gonflée, mais en fait, elle est gonflée. Tonton, pour moi. Ouais, tonton. Waouh, gonflé. Tonton. Mais c'est gonflé, hein. Waouh, c'est gonflé de ouf. On dirait pas une tortue ninja. Ouais, en plus, on dirait t'as deux fesses. Genre là, c'est. Ouais, revends. Parce que Lonnie, en vérité, là, il fait moche à Paris, là. Ouais, vous voulez pas, on se casse quelque part. Son flow, il était bien, mais en vérité, t'as vu, moi j'ai toujours dit au gars dans la convoi de ça, venez, on part en vacances et tout. Là, je vois, il y a un bon flow, un bon truc, bien cher, t'as vu. Je dis ma note, 7. Parce qu'il y a des trucs que j'aime pas trop dans sa tenue, mais vas-y, en fait, c'est quoi, j'ai guetté, genre, aller-retour, Punta Cana, une personne, 480 euros. C'est-à-dire, sa doudoune, elle fait un aller-retour à 3 personnes. Wesh, en plus il a le pull de 1100, c'est-à-dire là il paye tous les Jackson à Punta Cana. À Punta Cana, moi et Evan, on fait le clip de Navigo partie 2. Poto, ça va faire des streams ou non? Après le Airbnb, c'est chez, il va mettre Poto, parce que vas-y. Sinon 7 sur 10, félicitations Lonnie, très bel outfit. Moi j'espère que j'aurai pas un thème aussi compliqué, parce que ça va, on était bâtard avec lui. Les gars, si vous voyez la vidéo, mettez un thème genre Tom Sawyer, mec, je m'habille en Huckberry et tout, c'est carré. Au premier abord, il vient tout ça avec son truc. Au début, je me suis dit, c'est quoi ça? Je me suis dit, c'est quoi ça? Je me suis dit, on est où là, tout ça? Après, j'ai regardé plus en détail, puis il a dit le prix. Et là j'ai compris vite. Il a dit le prix et là, ouais. Là, le prix fait l'outfit, voilà. Je kiffe l'outfit, 9 sur 10. Et en plus, il va nous revendre le truc du coup, genre, on va repartir genre à Punta Cana et tout. Moi, comme j'avais dit précédemment dans la vidéo, c'est je bon savais bon. Qu'il partirait sur une inspi qui rappellerait un petit peu la tenue de Tyler pendant la Fashion Week. Après, voilà, c'est une tenue qui fait penser, mais il a su s'approprier quand même le style et faire un style qui rappelle un peu le style de Tyler, mais tout en y mettant sa petite touche. Et moi, honnêtement, je pensais pas au début en voyant la vidéo que l'outfit serait aussi cohérent et aussi, comment dire, bien travaillé. Je suis honnête, je sais pas si j'aurais pu faire en si peu de temps, parce que je suis quelqu'un de très indécis. Je pense que j'aurais pu m'éparpiller, parce que du coup, moi, je mets du temps à décider. Là, c'est lui, c'est GTA. Il a fait L1, R1, rond, R2, haut, bas, gauche, droite. Il a tourné comme ça, hop, il y avait 2 millions. Mais bon, c'est pas grave. Il a bien géré, il a tenu dans son ensemble, tout est cohérent. Les pièces sont validées, la casquette, la colorimétrie, les proportions. J'ai rien enlevé dans la tenue. En fait, je peux que mettre 10. Si je mets pas 10, c'est que je suis pas honnête. Il a quand même pris le risque de mettre les moyens dans une tenue qui ne portera pas forcément au quotidien. Donc voilà, juste pour ça. Il mérite son 10. Ouais, donc comme j'avais dit, il allait prendre la doudoune. Finalement, en fait, il la porte bien. Franchement, je retire ce que j'ai dit. Hein, c'était intéressant, sauf que au tout début, il vient, il nous dit ça coûte cher. Je dis ok. Ouais, j'ai une doudoune et un pull. Moi, je vois un voyage à Punta Cana et un hôtel 5 étoiles. Mais bon, ça, c'est autre chose. Hein. On sait que Lonnie, c'est un peu de 10. En voyage, on est 5. On a ramené 6 entre nous. Les commentaires m'étaient ouais, Lonnie, tu devrais les emmener en voyage. Ça se fait plutôt. Ils abonnent avec IES à la fin. Tu les filles? Ouais. Les filles, envoie des. Ouais, Lonnie, emmène-les en voyage et je t'envoie. Non, bref, du coup, sinon la tenue a été carrée pour moi. Franchement, il est 100% dans le thème. Il est dans le thème, on va pas se mentir. Mais la tenue, franchement, moi, c'est pas une chose que j'aurais portée parce que déjà, je sais pas, je m'applique pas forcément bien de ouf tout ça, mais c'est pas une tenue que j'aurais portée. Mais il reste dans le thème, ça veut dire que je mets un bon 8 sur 10. Lonnie, t'as tué ça, quoi, t'as tué ça. Après, moi, quand ça sera mon tour, je vais gagner. Moi, je vais mettre des sables de ouf. Hein. Moi, mettez comme thème. Ça c'est mon thème ça. Mais bon Lonnie ouais, 8 sur 10, bien joué à toi et voilà. Du coup merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était les Jackson. Ouais, ouais. Pour le premier épisode des Zoulettes du Shopping. Le deuxième épisode ça va être Chess. Oh, let's go. Exploser la barre des likes parce que franchement il a joué le jeu à fond. Donc en gros, j'ai mis trop de tags les gars, s'il vous plaît. Ouais. N'hésitez pas, oui, n'hésitez pas à mettre en commentaire la note que vous m'auriez donnée. Et en vrai les gars, j'ai fait un effort de fou. Tyler the Creator, tout ça et tout. J'espère les gars que en vrai vous allez jouer le jeu comme j'ai joué le jeu. Ouais. Vraiment, ça jusqu'au bout. Les gars, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si étant dit,
Bye bye. J'ai plus de thème. Eh vas-y, eh. Vas-y, maintenant, vas-y, on va remonter sur Minten. Bref, t'as tout gros. T'as tout gros. Rallume la caméra. Rallume. Yvonne, la voisine. Wouah. Wesh. Je suis tombé sous son charme. Oh. Et en vrai, t'as deux. Protège-moi. Ça vient d'où? Ah, mais attends, Minten, ça s'en chire. Pourquoi ça s'enlève pas? Mais frère, il a des mains, là.